ce soir de Madame Claire Pascal, responsable de la diffusion. Des lectures d'extraits issus de ces romans seront proposées par les participantes au cercle de lecture partagée, organisé mensuellement à la bibliothèque de Bouillon. Ces rencontres sont réalisées en partenariat avec Vie Féminine depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un chant qui résonne au plus profond de nous. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et vous remercie pour votre présence. Ici, de pièces de théâtre, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette passion pour l'écriture? Quelles sont vos sources d'inspiration? Parlez-nous plutôt alors de votre univers. D'accord, merci. En tout cas, tout grand merci pour votre accueil. Et toujours un réel plaisir de venir partager en tout cas son univers, puisque il est question en effet d'une recherche d'un sens que l'on veut donner à sa vie quelque part, et certains des chemins différents du mien. Le mien c'était l'écriture, et donc avant même de pouvoir commencer à réfléchir à l'édition, puisque tout s'enchevêtre chez moi un petit peu, c'était surtout l'écriture qui m'intéressait. Alors avec les grands rêves, qui sont des rêves de gloire, des rêves d'édition, voilà, dans les grandes maisons, voilà, tout cet univers que beaucoup partagent avec moi, certains réussissent, d'autres pas. Et puis à un moment donné, on se dit, qu'importe le fait de ne pas pouvoir peut-être être beaucoup plus visible que certains. Qu'importe le succès, qu'importe, ce qui compte à un moment donné, c'est de pouvoir partager. C'est ce qui se fait aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, c'est pas un combat, c'est une préoccupation constante de pouvoir être quelque part le plus juste possible par rapport à ses propres convictions, par rapport à son univers. Et donc, mon début d'auteur, d'écrivain, si vous voulez, il est un peu comparable à ce début au nom d'auteur, c'est on écrit, et puis on range ça en disant que c'est pas bon, que ça ne plaira à personne, ça n'intéressera à personne, etc. Et puis on prend de l'âge, inévitablement, et on se dit, on reprend ces écrits, on se dit fort modestement, bon, c'est pas si mal, et donc on retravaille beaucoup de temps, il faut y aller, il faut s'exposer. Alors on fait le chemin classique, comme je disais, on essaie de toucher les éditeurs, et on vous répond, on prend. Et puis on s'aperçoit que ça n'intéresse personne, parce que c'est comme ça. Et donc soit on n'intéresse personne et on range tout, soit on se dit, je retrouve ces noms, ce que j'ai fait aujourd'hui, et on y va sous différentes formes, la vôtre, la mienne, etc. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, pour pouvoir mettre en évidence mes propres textes, il faut des rencontres. Et comment travailler sur des rencontres? Eh bien, c'est soit ce que vous faites, c'est l'écriture, soit s'occuper d'animation, tout ce qu'on veut, ou soit à ce moment-là créer aussi une maison d'édition. Alors, avec beaucoup de freins aussi, parce qu'on se dit, c'est un peu stupide comme réflexion, c'est pas très honnête de pouvoir créer une édition, s'inclure dedans, etc. Et puis je dis, mais pourquoi pas, de toute façon, pourquoi pas, puisque ce qui compte, c'est de partager l'écrit. Et donc, je me suis lancé dans l'édition, j'ai eu les rencontres, et ces rencontres m'ont permis alors aussi de publier mes textes. Et donc l'édition a été créée en 2007. Alors quelques mots sur cette maison d'édition, parce que je voulais aussi pouvoir assurer une assise de maison d'édition. Que faire? D'abord travailler sur la littérature, ça c'était une priorité. Et puis je me suis dit, commencer à proposer des textes en langue française, évidemment. Des textes littéraires, ça fourmille une maison d'édition qui vous présente ça. Donc je voulais avoir une particularité et je l'ai trouvé par l'approche dialectale. Donc on en parlait tout à l'heure. L'approche dialectale, pourquoi? Parce que le dialecte est malade dans le sens que oui, on essaie de lui insuffler quelque chose, mais il disparaît. C'est un patrimoine qui part. Et je me suis dit, pourquoi pas contribuer à un peu une préservation dans ma façon. Et donc je proposais des textes en dialecte, toujours avec une traduction en français. Et curieusement, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est une collection s'appelle Termatin, j'ai quelques ouvrages ici, c'est que donc, quel que soit le dialecte, on tous les dialectes, moi je ne connais que le Picard, ou le Wallon Picard, comme on dit, la région du centre, la Louvière, etc.
c'est que ces dialectes, c'est une langue. On appelle ça dialecte, c'est une langue, on appelle même langue endogène, d'accord, et qui nécessite évidemment une protection tout à fait particulière et urgente. Et donc, comme c'est une langue, eh bien, elle offre des richesses. Et en même temps, puisqu'il y avait une proposition de traduction dans le même livre, souvent par les auteurs qui traduisent eux-mêmes, on se rend compte qu'on a quelque part pour un même thème, même histoire, on a deux œuvres un peu différentes. Et ça, c'est une richesse supplémentaire. Même les auteurs ont constaté, ils étaient un peu réticents, en disant non, on ne traduit pas le dialecte, ça reste dialecte, où ça se perd. Si on propose une traduction, on a constaté en tout cas qu'il y avait un intérêt supplémentaire, parce qu'on attire d'autres lecteurs qui peuvent se désintéresser du dialecte, prendre la langue française, ou combiner les deux. Voilà. Et puis, la langue dialectale, c'est bien, je touche un peu le dialecte de tous horizons. Pour l'instant, je reste cantonné dans la communauté française parce que c'est le hasard qui fait ça. Donc, j'ai touché Liège, j'ai touché les Picards, j'ai touché le Roi, etc. Et puis après, j'ai lancé à ce moment-là une collection qui s'appelle Enquête parallèle, qui touche uniquement la littérature française. Dans les récits, les théâtres, on peut aussi avoir des romans, etc. Là, je m'y inscris et j'ai rencontré, évidemment, je disais tout à l'heure, c'est important, des gens qui sont du milieu artistique, notamment la couleur théâtrale de Deslouges, côté de Tours, dans les près des Hauts-Pays, hein, donc la partie francophone. Ils ont un petit théâtre et ils ont aussi une petite maison d'édition. Et donc on partage les textes, on édite des auteurs ensemble, on fait de la coédition pour cette collection. Moi j'édite l'auteur de ce petit théâtre, Roland Thibault, et lui m'édite quelque part. Donc Roland Théâtral, c'est la maison d'édition qui me met en valeur, et moi au niveau d'AS, je le mets en valeur plus tous les autres, et ensemble on essaye de mettre un auteur dans une visibilité la plus grande possible. Là aussi, on touche alors à tout ce tout ce qui est difficile dans l'édition, c'est-à-dire cette visibilité-là, évidemment. Voilà. Car la nouvelle avait de quoi surprendre. Puis, la stupeur fit place à l'incrédulité. Dans le chef de Madame Grulois, il ne pouvait s'agir que d'une blague. Elle fut vite mise au courant de la situation et de la chronologie des événements. D'autant plus vite d'ailleurs qu'en définitive, il n'y avait pas grand-chose à commenter. Il n'était que 13 heures. Vu la ponctualité relative de son mari, elle consentit à accepter l'idée que cette absence devait être prise au sérieux. La courte montée de la mure apporta un coup d'arrêt à la bonne progression du voyage. Ce n'est pas parce que le chauffeur avait décidé de visiter le château du XVIIe siècle qui servait en outre de résidence au président de la République, mais bien à cause de la côte bien pentue qui se présenta. À la mure, les voyageurs étaient passés de 307 mètres d'altitude à 882 mètres. Avait caressé l'idée de prendre le chemin de l'école, troquant le cartable de l'élève pour la serviette en cuir du professeur. Le projet avait quelque peu échappé à son esprit. Et le temps passant, il s'était retrouvé simple commis dans une entreprise ambitieuse, détective en apprentissage, s'il vous plaît. Il sourit. Il savait au fond de lui-même que ce choix professionnel trouvait bien quelque part son origine dans la découverte des auteurs de langue française, dont l'instigateur était un homme envers lequel il vouait une admiration sans borne. Quand tu écris un polar, oui. Il y a une trame, oui. Quelque part. Oui. Il faut maintenir le suspense, oui. Oui. Disons jusqu'à où vas-tu chercher cette trame-là? Ah, mec. Mes histoires sont... Enfin, je me suis aperçu, parce qu'on ne sait pas toujours non plus, on n'est pas là où quelquefois on fait un peu de travail en disant je vais plutôt parler de ça et ça. On a bien des idées, et puis à un moment donné, il faut les construire, il faut pouvoir programmer en tout cas son écriture. Et donc j'écris toujours en sachant là où je vais commencer, où je vais finir. Et entre eux, c'est l'inspiration qui vient. Et je me suis aperçu que... parce que j'aimais ça, je prends souvent des situations banales. Dans l'école, on vole les ordinateurs, il y a un peu banal. Dans Petra Castellana, on vole une caravane, donc on vole des bijoux. Dans
un autre qui va arriver, qui s'appellera le camping des flots bleus, on vend des caravanes. Et donc, ce sont des situations qui sont communes, hein, quelque part. La caravane a volé chez mes parents, donc ça m'a un petit peu amené de l'imagination. Et puis, le voilà, c'est pas compliqué. Il faut un crime ou un semblant de crime, il faut quelque chose qui force quelque part le lecteur à se dire, ça y est, mince, il y a eu un crime, je vais aller jusqu'au bout pour voir qui est l'auteur. Un peu comme toute série, on prend un Derrick là, qui permet la sieste. En définitive, on commence, on dort et on a envie de se réveiller pour avoir le nom du coupable, un peu ça. Et donc, si c'est pas trop long non plus, l'auteur, le lecteur tournera la page. Ça, c'est un peu plus difficile quand même de faire tourner la page. Parce qu'il faut évidemment que l'écriture lui plaise, que la situation ne soit pas trop incohérente, qu'on n'ait pas non plus l'idée que « Ah, ben c'est lui, en effet, au bout du compte, c'est lui », parce que ah ouais, ça casse tout, mais c'est un risque, évidemment, parce qu'on ne maîtrise pas tout. On a l'impression de... Et alors, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut relire beaucoup, supprimer. Il faut être très exigeant par rapport à ça. Et puis, c'est la chance que ce soit apprécié, voilà. Mais bon, tout n'est pas appréciable non plus, et ça, il faut savoir. Oui, oui.